Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Clément l'aquariophile. Donc comme vous pouvez le constater, il y a du changement. Alors là-bas, rien n'a changé. Alors j'ai nettoyé les décors dans les deux aquariums et ici, j'ai bien nettoyé l'aquarium maintenant que les poissons rouges sont partis. Les poissons rouges sont partis en bassin où je l'espère, ils seront un peu plus heureux car ici, ils avaient quand même un début de maladie de point blanc. Donc voilà. Et là, une des premières écrevisses de l'année, un beau spécimen, un beau mâle. Alors par contre, sa pince ici, on dirait que les deux pointes ont été perdues. Là par contre, sur la petite pince, voilà, on voit bien les pointes aux extrémités. Voilà, donc c'est un beau mâle, parce qu'en dessous, il a deux gonopodes. Alors je ne sais pas si on va très bien voir là. Malheureusement, on voit pas beaucoup. Si là, vous voyez, on voit un petit trait rouge horizontal. Ben ça, c'est un des deux gonopodes. Et les femelles n'ont pas ça. Voilà, donc c'est bien un mâle. Donc il aime aller dans sa grotte. Alors, je ne sais pas s'il a encore compris le principe d'aller au-dessus. C'est pour ça que je ne mets pas trop d'eau. Voilà, donc c'est un spécimen particulier, hein, avec deux pinces différentes. Il est assez agressif, quand il m'entend arriver, souvent il arrive, et il veut m'attaquer. Vous voyez là, les pattes de derrière sont différentes. Ça ressemble juste à des pattes, alors que, voilà, c'est ça. Et là, il y a plusieurs petites pinces, qui sont faites pour attraper et fouiller le sol. Alors, on va peut-être voir mieux son gonopode. Non, on voit pas mieux. Si, on voit les extrémités blanches ici. Mais bon, là, c'est vraiment pas facile. Je vous ferai voir ça sur une vidéo quand j'irai à la pêche. Ouais, là, de toute façon, il rentre. Il veut pas rester. Allez, à la prochaine. Ah oui, alors, autrement, j'ai toujours mes deux écrevisses dehors sur le balcon, mais je crois que la prochaine fois, elles passeront à la casserole avec les autres. À plus.